Dans l'actualité ce soir, également, une vingtaine de bacheliers de la session de juin 2017 vont bientôt rejoindre les universités tunisiennes pour leurs études supérieures. Ils sont bénéficiaires de bourses d'études dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et le Tchad. Avant de s'envoler, ils ont reçu des conseils pratiques du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène. Compte rendu, Abdelhadi Mohamed Salih. Ils sont au total 20 bacheliers de l'édition 2017 à bénéficier de la bourse d'études supérieures en Tunisie. Ces derniers ont été reçus par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène. Au cours des échanges, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène, a prodigué des sages conseils aux nouveaux étudiants tchadiens qui quitteront d'ici 6 jours pour les études supérieures en Tunisie. Pour lui, un étudiant tchadien à l'étranger représente son pays comme l'ambassadeur. Toujours dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'université Mikoussi de N'Djamena a signé une convention avec l'université de Sfax en Tunisie, une convention qui a débouché aujourd'hui à l'ouverture de la faculté de médecine. Les conditions sont-elles réunies pour cette filière et quel sera le profil des enseignants de cette faculté? Voici la réponse du doyen de cette université, de cette faculté, Sami Kamoun. En fait, la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'université Mikoussi a été mise en place dans le cadre de la coopération tuniso-tchadienne. C'est une faculté qui va fonctionner de telle façon que des enseignants tunisiens vont venir sous forme de mission pour assurer les cours. Et donc ce sont les mêmes enseignants qui assurent les cours à la faculté de médecine de Sfax qui vont assurer ces mêmes cours et selon le même programme à la faculté de Mikoussi. Mais c'est clair que là, ces programmes seront adaptés et vont respecter aussi la réglementation tchadienne. C'est une faculté qui va essayer de répondre aux normes internationales qui régissent la formation des études médicales. D'autant plus que la faculté de médecine de Sfax est une faculté qui a été accréditée et donc nous allons appliquer les mêmes règles ici à l'université Mikoussi. Et dans ce cadre-là, nous avons commencé par un test psychotechnique qui va nous permettre d'évaluer les étudiants afin de s'assurer que ces étudiants ont réellement la capacité de poursuivre les études médicales et sont capables de prendre ultérieurement, convenablement en charge les malades.